C'est impossible de passer. Mec, regarde là-haut, il y avait... L'ambiance de dingue. L'ambiance de dingue. Wouh. Et on va faire plus de bruit. Moi, c'est Quentin, je suis originaire d'Orléans. Ouais. Thank you, man, you're the best. Thanks to you, man. Come on. I really love you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est de retour. Pour vous jouer à Monnaie les Tours. Ah, notre première course en stop. Alors le principe, eh ben, c'est aller à un village près de Anduze, donc c'est près de Nîmes. Là actuellement on est à Toulouse, donc c'est 300 km. Donc c'est une course, mais en fait il y a plein de défis. Premier défi qu'on va forcément gagner, on vous l'annonce maintenant en direct de Toulouse, le défi patate. Le principe, échanger une patate contre un objet avec une valeur plus élevée, obtenir à la fin l'objet avec le plus de valeur possible et le plus insolite. Deuxième défi, ramener un cendrier. Troisième défi, ramener un automobiliste avec nous à la soirée. Et puis aussi on s'est rajouté des contraintes, on est tout déguisé là. Ouais. Moi en Peter Pan et toi en... On sait pas trop quoi. Bon, voilà. Quatrième défi, faire chanter un conducteur dans la voiture. Cinquième défi, enchaîner le plus de voitures possible. Ça c'est faisable aussi, donc pour ça il faut avoir la stratégie de pas forcément prendre l'autoroute mais les petites routes. Et donc pour la course on est 80 personnes, 40 binômes. Voilà. C'est ça. Donc on va forcément en croiser d'autres, donc ça va être bien marrant. Hier on allait manger dans un kebab et le type était très très sympa. On va aller voir s'il peut échanger notre patate contre quelque chose. Après si c'est un kebab c'est un peu chiant. On fait une course aujourd'hui de stop, on va jusqu'à Nîmes. Et il y a un des défis, c'est un troc patate. Tu veux quoi boisson? Coca. Cool. Tu feras un heureux. Et voilà. Merci chef. Et allô kebab, comment tu t'appelles? Ouais. Comment il s'appelle ton magasin? Sorami. Sorami à Toulouse. Le kebab Sorami c'est le meilleur du monde. Ciao. Ciao. Et voilà. Échange réussi. Yes. Bonjour. Trop cool. Salut monsieur. Merci beaucoup. Allez, bonne journée, merci encore. Maintenant direction métro pour sortir un peu de Toulouse, direction le sud. Exactement, donc rendez-vous à Ramonville. On a fait les malins en prenant notre bus pour aller à l'aire de péage et on a regardé sur l'application, il y a une application qui permet de géolocaliser tous les participants. Et il y en a qui sont déjà bien chauds, hein. Ils sont au niveau de Carcassonne, c'est ça? Non, sur la route, mais bien. Sur la route de Carcassonne. Et nous, on part pas encore, on est en train de manger là. Voilà. Alors sur l'application qu'on utilise, il y a marqué de venir ici pour aller sur l'aire de péage. Allez, c'est fermé, d'accord, ça marche pas tout si on comprend. Bien sûr. Chou blanc donc. En fait, on a une application qui dit quand t'es en ville où aller pour ta direction. Ouais. Et en fait, il nous a dit de venir ici, sauf que ce putain de péage il est fermé, tu peux pas y rentrer quand t'es piéton. Ah ouais, mais c'est bon, mais vous inquiétez pas. Allez, t'es un chef. Premier stop, c'est pas si 30 secondes d'attente. Ouais, j'ai fait un peu de tout, de la maçonnerie, j'ai pour récupérer pour passer les. Pour conduire. Non, mais les gens ils savent pas quoi. Ouais. Ouais. Salut les gars. On va vers Carcassonne. Vous allez vers Carcassonne, c'est dommage. Vous allez où vous? Nous on va à l'Inside. Allez, non, sérieux? Putain, bah profitez bien, mais c'est à Toulouse du coup. Ouais, ouais. Ah les bâtards. Allez, ciao les gars. Bon courage. Allez, salut les gars. C'est la danse des canards qui dans la mare. Ne coulez pas des reins et font coin coin. Quoi quoi. Échange, on va foutre des couleurs pour faire des musiques, c'est pour ça. Échange de ici, yes. Et voilà. Il y a un joli coup de fleurs. Il est joli, hein. Bah ouais. Nous voici au niveau de Narbonne. Et oui, exactement, et nous venons de réaliser le défi photo puisque nous nous rendons en direction de Agde. Et rien de plus beau que d'aller à Agde. À poil. À poil. Donc voilà, voilà, on est habillé, on triche mais on s'est habillé. Donc là on est proche d'une aire d'autoroute, on va aller parler aux gens. Tout se passe bien, il fait beau, on est au milieu de la course, il y en a qui sont bien bien devant. Et il y en a qui sont encore bien bien derrière puisqu'il y en a qui sont pas encore partis de Toulouse. Un mec regarde là-haut, il y a une voiture juste là où on a fait la photo à poil, il y avait une voiture à 20 mètres. C'est bon, il n'y a pas vu. Ok. Il y a moyen qu'on ait chopé le...
On a chopé le moyen de locomotion le plus hype. Camping-car. Tout à l'heure on a coupé le moteur, j'ai enlevé les clés, le moteur est tourné encore, c'était là. Wouah ! Le moteur il tourne alors qu'on a enlevé les clés. Allez là ! Camping-car stop, le retour. Oh là là, mais c'est royal ici. On va y arriver, ouais, on est reparti les enfants. Ouais. Et du coup c'est quoi vos prénoms ? Thomas. Moi c'est Luc. Et ben moi c'est aussi Thomas. Et moi c'est pas Luc, c'est Quentin. Quentin. Dommage, ça aurait été bien drôle. Non. Oh putain, Ricard. Car oui, le CD s'est finalement transformé en Ricard. Bon bah salut, on est ravis d'accueillir Robin Desbois et son ami, on sait pas trop comment il s'appelle finalement. On est ravis, un petit commentaire. On est content d'être là ce soir, voilà. Salut à tous. Salut à tous, c'est notre ami Baptiste qui nous amène à la sur la direction de Anduze. Baptiste qui est ici présent avec nous, se tâte aller à la soirée ce soir. Ah oui, avec plaisir. On va le chauffer, mais il y a moyen qu'on l'y retrouve. C'est possible. Qu'on l'y retrouve après. Allez, viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel pas. Artificiel, je voudrais que tu sois belle devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel pas. Je sais pas comment faire. Artificiel, je voudrais que tu sois. Ouais. Mais non. Ah oui, prends ton sac, bâtard. Ça c'est incroyable, t'es vide là? Ouais, je suis à vide, c'est pour ça, je m'enquiquine. Je croyais pas que c'était possible. On n'a pas le droit normalement. Bah ouais. Ça c'est incroyable. Bonjour à tous, nous sommes où là? Nous sommes sur la départementale 61 bis en direction d'Alès, c'est la folie. L'ambiance de dingue. Un bus pour nous tout seul. Ce soir on vous met le feu. Ce soir on vous met le feu. Ce soir ils vont gagner les liens. Allez. Bon, on remonte alors. Allez, on arrive. C'est ça qu'on veut. On l'a promu ici, toi, son. Allez, ouais. Voilà, Momo aux oreilles rondes. Bon, alors, Momo aux oreilles rondes. Voilà. Ah, c'est bon, ça. Et en fait... grâce à Marie, vous allez arriver à Dieu. Dis pas ça. Ah, j'avais des problèmes de pute. Ah, c'est bon, ça. Dieu s'appelle la porte des Cévennes. D'accord. Là où je vais vous laisser. C'est la porte. C'est, voilà. Tu vas voir les rochers. Ah ouais, non, tu as fait combien de automobilistes? On en est à 9. 9. Et vous? On est à 6. Allez là-bas. Salut. Salut. C'est quoi vos prénoms? Nous on connaît pas les prénoms. Swad. Et Amélie. Première voiture avec d'autres personnes. Yeah. Non, on a fait 3 heures et demie pour partir. Non, même rond-point, on avait 3 heures. Mais oui, on vous voyait sur la carte. Et vous êtes là maintenant? Et quand vous êtes là, vous avez géré après? On a eu 3h30 où vraiment c'était le vide. Et après. Non, tout s'est enchaîné. Ouais. On a vu Toulouse et qu'on savait qu'il y en avait qui étaient déjà à Montpellier. Allez là. Yes. Ouais, ah, mais ça c'est un mec de la voiture. Oh, comment ça pèse le mec? Yes. Yes. Coucou. Salut. Allez. Yes. Parking réservé. Bah voilà. Débrief de la journée, une patate transformée en cubit de 25 litres. On arrive à combien? Au milieu. Au milieu, voilà, il y avait 40 participants, on doit arriver en tout 20e après. Objet insolite, le cendrier en poche. C'est ça. Plus de 10 voitures et je pense qu'on est vraiment pas mal sur ça parce que... Plein de voitures, ouais. C'est pas mal. Arrive avant la nuit, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le moyen de transport le plus insolite, je pense qu'on est bien placé. Clairement, avec le bus, avec le car. Ben, tourisme. Moi je pronostique, on peut s'avancer. On peut dire les choses. Top 3. Pas mal, Toto. Au final, et après délibération du jury, on a fini premier, ex aequo. Ah ouais,